Comment acheter un bien immobilier tous les 3 mois? Dans cette nouvelle vidéo, on va parler justement d'investissement immobilier en groupe. Si tu as suivi ma vidéo précédente, je t'ai expliqué justement quels sont les critères à prendre en compte lorsque tu vas vouloir investir en groupe. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites savoir justement comment j'ai pu acheter un bien immobilier tous les 3 mois sur ces 12 derniers mois, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie surtout pas de nous mettre un pouce bleu, car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu auras accès justement à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier en groupe durant ces derniers mois. Alors dans cette vidéo, je me retrouve à Kribi au Cameroun. Donc comme tu le sais, je suis rentré pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine du digital et dans l'immobilier en Afrique francophone de manière générale. Et aujourd'hui, on va justement parler d'investissement immobilier en groupe. Comme je te l'ai dit dans ma précédente vidéo, lorsque tu vas vouloir investir en groupe, ça va être nécessaire de pouvoir sélectionner les personnes avec qui tu travailles, s'assurer que parmi le groupe, il y a plusieurs corps de métier. Par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui est spécialisé dans les finances, quelqu'un qui est spécialisé dans la prospection, quelqu'un qui est spécialisé plus dans l'opérationnel, la gestion des travaux et peut-être un investisseur passif. C'est le meilleur setup à avoir lorsque tu vas investir en immobilier, c'est d'avoir ces 4 profils-là. Donc, comment moi j'ai pu mettre en place une stratégie d'investissement massive et progressive pour acheter des biens immobiliers tous les 3 mois? Lorsque tu vas vouloir arriver à un certain niveau en immobilier, tu vas devoir t'associer parce que seul tu vas pouvoir arriver peut-être jusqu'à 1 million, 2 millions, mais si tu vas aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire traverser la barre de 3 à 5, voire même plus, tu vas pouvoir le faire. Mais si tu veux atteindre le chiffre symbolique de 10 millions en un temps record, il va falloir que tu t'associes. Et même pas qu'avec une seule entreprise ou avec un seul groupe d'entrepreneurs ou d'investisseurs, avec plusieurs. Donc moi, j'ai dû m'associer avec 3 groupes d'entrepreneurs différents pour pouvoir mener à bien mes projets. Donc j'ai un groupe en Indonésie où on est en train de construire une villa qui va être louée sur Airbnb. Donc je l'invite également à me rejoindre sur mon compte Instagram, car je te partage toutes les semaines l'avancée de ce projet là tu auras mon compte Instagram juste en bas. Je me suis également associé avec d'autres investisseurs, notamment au Mexique. On a acheté un terrain de 5000 m² avec l'objectif de pouvoir construire 5 villas pour diverses orientations. On va utiliser certaines villas pour de la location courte durée, d'autres villas pour de la location long terme, et on va revendre également une villa pour pouvoir réinvestir dans de nouveaux projets. Et tout récemment, je me suis associé avec un groupe d'investisseurs au Canada. Donc on achète des immeubles au Québec. Bon, je ne pourrais pas te dire dans quelle ville précisément, sinon ça va amener beaucoup de concurrence. Mais si tu veux savoir où on investit, je t'invite à justement rejoindre notre prochaine masterclass. Donc on a décidé avec ce groupe là d'investir un immeuble tous les trimestres. Un immeuble pour le trimestre, et la prochaine étape pour nous l'année prochaine, c'est d'investir un immeuble par mois. Donc on a pour objectif là cette année d'acheter à peu près 3 à 5 immeubles. Donc là c'est en cours, au moment où je te parle on a signé notre deuxième immeuble en plus des 2 autres projets à l'étranger que j'étais partagé. Là on est à 4 projets immobiliers, et aussi, excuse moi j'ai oublié un projet immobilier en France actuellement, un lot de 7 logements qu'on va mettre sur Airbnb et qui devrait rapporter entre 4 et 6 000 euros de cash flow mensuel. Donc tu vois que sur les 12 derniers mois, j'ai pu mener à bien 2 projets à l'étranger, 2 projets au Canada et un projet en France. Donc ça fait 5 projets en seulement 12 mois. Et dès l'année prochaine, on va passer à un projet mensuel, et on espère que d'ici 3 ans, on pourra mener plusieurs projets mensuels. Donc si ça t'intéresse de savoir justement comment rejoindre ce groupe d'investisseurs, tu auras le lien juste en bas, en dessous de du lien de la masterclass, tu auras un lien justement pour qu'on te présente notre nouveau programme qui s'appelle Global Wealth Management, où on accompagne tout un groupe d'investisseurs à s'associer ensemble. Donc on s'occupe de la partie juridique, de la partie fiscale, de créer la société, de trouver les partenaires, trouver les fonds, lever les fonds et piloter les projets à l'étranger. Donc je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.